Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo sorting, donc rangement, je vais dire sorting, je vais faire à l'anglaise, rangement de photocards. Donc j'ai trouvé, et je pense que ce sera la dernière vidéo, voilà, j'ai donc trouvé le reste de photocards que j'avais dans une boîte, donc je vais ranger ça. Donc là je suis un petit peu plus organisée, j'ai déjà en fait mis des petites feuilles pour m'aider en fait et mettre les trucs que j'ai, voilà, donc ça va quand même un peu m'aider. Alors c'est parti, je vais vous montrer, voilà les photocards qu'il faut que je range. D'ailleurs j'ai changé de classeur parce que l'autre il était trop massoc, et donc voilà les photocards que j'ai, je les ai mis tous dans l'ordre. Je vais ranger ça. Alors déjà, on va commencer par Mr. Dio. Ça, on va mettre là. Alors, ce que vous voyez là, c'est mon chien qui est à côté. Hein, donc voilà. Alors, déjà... j'ai mis dans l'ordre, donc nous avons Love Me Right, nous avons le 5e anniversaire, voilà, et nous avons Coco Bop. Donc, let's go. Donc, je suis contente parce qu'en fait, je me suis organisée, ça va m'aider, j'ai mis ça là, j'ai mis où il y a les feuilles roses, c'est là où je vais ranger les feuilles. Clairement, ça va m'aider. Donc, voilà. Ensuite, alors comme j'ai déjà dit, je range les trucs, mes photocards, albums, non-albums, voilà, ensemble, et j'essaie de les mettre dans l'ordre en fait. Donc ça c'est le 5e, la photocard de 5e limited edition. Voilà, donc ça fait déjà des pages complètes, ça c'est cool. Et ensuite, là c'est le Coco Bop. Donc Coco Bop qui sera ici. Donc j'ai que cette version de Dio de Coco Bop que j'ai trouvé. Donc voilà. Alors ensuite, Baekhyun. Normalement, j'ai mis les choses dans l'ordre. Donc voilà pour Baekhyun. Dans l'ordre, je ne sais pas comment j'ai mis dans l'ordre en fait. Hein. Une version de Love Me, de l'album Exodus, si je ne me trompe pas. Hop. Ensuite, là, c'est la carte 5e anniversaire. Ici, nous avons Love Me Right, je ne sais pas c'est quelle version exactement. Ensuite, là, c'est le tour. Attends, je suis trompée. Parce que j'ai la deuxième version de la vidéo. Voilà. Là, c'est le tour. J'espère que je me trompe pas. Ensuite, là. Les deux versions photo bop. Là. Je vais me tromper quelque part. Non, enfin, bref. Ensuite, il y a ces deux-là de Super M, la version Tiger Inside et la version Super One. Elles sont très jolies en plus. Donc c'est là. Donc là, je vois que je n'ai plus de batterie. Donc je continuerai
pour Lay dans une prochaine vidéo, dans un prochain coupage. Je vais passer à Lay. Limited édition 5e anniversaire et l'auto. C'est parce que je sais que j'ai une version de New Ride là. Voilà pour ça. Alors pour l'œil c'est bon. Pour Séoul. Alors on a Coco Pop. Je crois que j'ai deux fois. Oui, je l'ai deux fois. Bon, c'est pas grave. Alors Coco Pop. Exact, l'auto, je crois que c'est Exodus. Et là, je me trompe avec les mots. Ensuite, Love Me Right, 5e anniversaire. Alors, déjà, j'ai deux fois Coco Pop. Voilà, les deux mêmes, enfin, bref, c'est pas grave. On y va. Voilà. Ensuite, nous avons Exact. En fait, je pense que c'était Mila. Donc, je peux faire, c'est pas grave. Hein. Love Me Right ici. L'auto. Je sais pas si la version, la version chinoise. Ça, c'est. Ah, c'est bon. Exodus. Celle-là, c'est Love Me Right. Voilà, j'ai deux versions aussi. Alors des fois je me dis j'aurais pu faire genre faire des sets complets, genre bah, tous les membres avec Don't Mess Up My Tempo, tous les membres avec Love Me Right, tous les membres avec Coco Pop. Mais j'aime bien le fait que ce soit que Séoul en fait. Je sais pas, vous préférez quoi? Je sais que les gens ils aiment bien faire voilà, les sets ou T9 bien complets, tous les membres et tout, de tous les albums et tout, mais moi j'aime bien faire membre par membre. Alors, Chanyeol, Coco Pop, Lotto, Exodus, Sing For You et le 5e anniversaire. En fait, je les ai mis dans l'ordre, mais de l'autre sens. Alors déjà, Coco Pop, il est ouf. Don't Mess Up My Tempo. Ensuite, là, c'est l'auto. Franchement, je savais pas que j'avais à chaque fois les deux versions. Ensuite, Exodus. Il y a Exact là. Je sais pas Exact. Je crois que ça doit être Exact.
Think for You et ça. Alors, je crois que c'est là. Les gars, je regarderai exactement l'ordre. Mais ça peut être ça, si je me suis trompée, je change la lente. La chose, c'est pour rien. Et là, le 5e anniversaire, donc je mettrai là. Peut-être qu'il était avant, je ne sais pas. Après. Donc voilà pour Chagnol. On va passer à Camille. Alors, pour Kai, nous avons Coco Pop, Exodus, Love Me Right, je crois que la version coréenne, Sing For You, Exact, Moto, la version chinoise. Alors, Coco Pop, je commence par derrière, parce que voilà, par le plus récent, entre guillemets. Voilà. Ensuite, Exodus, je crois. Alors, je sais plus si c'était là ou là. Je crois que c'était là. Je ne suis plus très sûre de moi. Ensuite, là, c'est Love Me Right. C'est pas dans l'ordre. J'ai un problème, moi. Mais je pensais pas, en fait, que j'avais les deux versions à chaque fois de l'auto. Ensuite, Exact. Moi, je pense que tout est là, maintenant. Elle est trop belle, cette photocard. J'aime bien quand elle a les cheveux silver. Ensuite, c'est mon four. Oh, je l'ai enlevé cette photo. La bumette. Là, j'ai commencé la bumette. C'est pour lui, c'est là. Franchement, je pourrais vraiment faire des sacs complets en fait des impôts. Parce que là, j'ai la version. Je crois que c'est la version coréenne et la version chinoise. Là aussi, pour le tout. Donc, pour Kai, c'est bon. On va passer à Chen. Mr. Chen. Alors, nous avons Exodus, Exact, Moto, 5e anniversaire, Coco Pop, Coco Pop. Alors, les Coco Pop, où ils étaient? Parce que je ne sais plus. Alors, je pense que les Coco Pop, c'est là. Voilà. Ensuite, 5e anniversaire. Ensuite, c'est la chouette là. Je crois que c'est quelque part par là. Hein. Je crois que c'est là. Je me trompe, je ne sais pas, je ne sais plus. Honnêtement. Ensuite, moto. Je pense qu'il doit être quelque part par là. Je me suis trompée. Exact. Exodus. Je suis sûre que j'ai trouvé quelque part. Oh, c'est pas grave. Donc, Chen, voilà. On va passer à Xiumin. Alors, Xiumin, on a Exact, Loto, la 5e édition d'anniversaire, Love Me Right. Oh, j'ai les deux versions de Love Me Right. Sing For You, et voilà. Ici, ensuite il y a les deux Love Me Right, ici, voilà. Ensuite, 5e édition, c'est là, enfin 5e anniversaire, effectivement.
Je me suis obligée de mettre, j'en suis sûre, je vais exact. J'en étais sûre, je me suis trompée quelque part. Mais vraiment, j'en étais trop sûre. Exact. C'était bien parce que j'ai vu un exact. Il y a un tout. Voilà. Et Suho, Suho, on a Coco Pop, Coco Pop, Loto, Exact, Sacré Anniversaire et Love Me Right. Alors, Love Me Right. Ici. Ensuite, Cinquième Anniversaire. Est-ce que j'ai un loto? Oui. Le cinquième anniversaire, il est où? Je crois qu'il était là. Donc là. Ensuite, loto. Ah, il faut que je... décale un truc. Exact. Ensuite, la boîte de la version chinoise. Les trucs chinois, les trucs sont plus sombres. Hop. Voilà. Et ensuite. Ah, je me suis trompée. Où est-ce que je suis trompée? Que ça en fait. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. C'est là. Et Coco Pop, là.